But I see that now we have about 14 minutes left, so I think the best way to utilize this time is to ask questions from the floor. You see there are many of them. I will start perhaps with Michel Fouché, who is a very well-known geopolitician in France. Sont nombreux, sont bien nombreux. Tout le monde. Ouais. Pas trop. Il faudrait un micro, s'il vous plaît. Un micro. Oui, j'avais deux questions. D'abord, pour les deux premiers orateurs. Les pays du Sahel sont certes peu densément peuplés à l'échelle nationale, mais il y a des régions peuplées. Je pense au delta intérieur du Niger au Mali, la bordure du Niger, etc. Le pays Mossi, vous n'avez pas eu le temps d'évoquer les questions foncières. Est-ce que vous considérez que les tensions foncières sont, pour reprendre le concept du ministre Manassé, des causes racines des tensions politiques? Et puis, mon général, une question qui n'est pas malicieuse. Dans certains pays, les forces armées que nous formons parfois en France ou aux États-Unis ou même à Moscou, dans le cas de Bamako, hésitent souvent entre la prise du pouvoir et le rétablissement de la sécurité. Je parle très franchement. Quelle est votre analyse de ces coups d'État à répétition dans certains pays et évidemment pas le vôtre? Merci. Alors, je vais prendre. Je crois que le mieux, c'est de prendre 3 ou 4 questions parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et ce qui vous donne le temps de réfléchir aux réponses, n'est-ce pas? Je prends Tadio, je prends ta question, et ensuite Christine de Souche. Voilà. Merci d'abord féliciter la conférence pour ce panel. L'Afrique est placée centralement devant toute la conférence, ce qui est une très bonne chose. Avant, on avait des workshops, mais là, on a workshop et plénière. Donc, nous sommes bien servis. ce que je veux dire, je ne peux pas le dire parce que le temps est limité. Donc, j'ai posé des questions pour aller vite. J'ai une grande préoccupation par rapport au fait qu'on est en train de remettre en cause un paradigme que tous les Africains avaient accepté, que la sécurité précède le développement et la sécurité, à son tour, sert le développement. Aujourd'hui, on tente une déconnexion pour nous faire croire qu'en réalité, c'est parce que nous n'avons pas fait, en tant que gouvernement africain, notre travail pour développer les zones rurales, développer les régions, etc., que c'est ce qui a appâté les terroristes. Franchement, je pense que c'est un paradigme inacceptable. Ça va nous renvoyer la responsabilité de ce qui nous arrive et qui vient du Moyen-Orient, qui vient de la crise libyenne. On sait exactement ce que... On était depuis 50 ans dans les mêmes conditions de pauvreté et on avait zéro terrorisme en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces 10 dernières années, le terrorisme ait décidé quasiment de déplacer ses opérations et son épicentre vers l'Afrique? Parce qu'eux aussi ont analysé, ont compris, entre guillemets, que l'Afrique était à prendre. Ils viennent prendre leur part d'Afrique. Et un des grands responsables de cette situation, c'est le leadership africain. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi nos dirigeants refusent la mutualisation? Pourquoi? Pourquoi quand on met en place le G5 Sahel, on exclut certains pays? Le Sénégal n'était pas invité, la Côte d'Ivoire n'était pas invitée, l'Algérie, le Maroc n'était pas invité, même le Cameroun n'était pas invité. Le Nigeria, première puissance économique, le Nigeria qui a eu 40 000 victimes de Boko Haram, 40 000. On se demande, est-ce que la vie des Africains a une importance aux yeux de la communauté internationale? Quand l'Ukraine a eu lieu, vous avez vu le déferlement de mobilisation et d'aide. Nous sommes solidaires de l'Ukraine, aucun débat là-dessus. Mais si on avait 1/10 de ce qui a été fait pour l'Ukraine, peut-être que nos États auraient pris leurs responsabilités. Ce qui me désole, c'est que même quand la CEDEAO prend une bonne décision, mettre en place une force régionale africaine, elle s'empresse d'ajouter que c'est contre le terrorisme et contre les coups d'État. Les gens vont dire, vous voyez, c'est encore le syndicat des chefs d'État qui veut se défendre en demandant qu'on les protège des coups d'État. Il y a un ensemble de problèmes. On n'a pas le temps de tout dire. Par rapport au développement sur l'agriculture, c'est la priorité numéro un. 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. On continue de se mélanger, de créer des paradigmes confus.
Tout peuple qui n'a pas de souveraineté alimentaire, quand les enfants ne mangent pas, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne savent même pas comment écouter ce que les maîtres racontent dans les classes et tout. Les Africains ont faim alors qu'ils ont le continent potentiellement le plus riche du monde en termes d'agriculture, en termes de ressources, etc. etc. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie tout ça. Et il y a d'autres questions à discuter, peut-être qu'on aura la chance de le faire. Dans le cadre de notre workshop, je vous invite tous à venir, parce que là, on ne parlera pas que des problèmes, on parlera aussi des solutions. Merci. Merci, et je voudrais rajouter deux questions pour que vous traiterez dans la workshop, dans l'atelier. Par exemple, c'est le rejet de la France en Afrique de l'Ouest et l'apport de nos amis russes après le début de la guerre en Ukraine. Bon, je pourrais d'ailleurs y répondre en partie, mais c'est aussi un fait qui complique les choses. Alors, oui. Christine Dessouche, et oui. Ensuite je passerai la parole à Mohamed Laïchoubi, qui a été mentionné tout à l'heure, ancien ministre d'Affaires étrangères algérien. Alors, oui, merci monsieur le modérateur. Alors, et... Mohamed, une seule pour que tu te prépares, bon. La seule chose que je te demande, c'est d'être bref. Oui, merci beaucoup monsieur le modérateur et messieurs les panélistes. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet exercice. Comme l'a dit le ministre Gadiot, c'est la première fois, nous en sommes vraiment ravis. Et je pense qu'il y aura des suivis importants pour les uns et pour les autres. Alors je pense que là aussi, la question sur laquelle je voulais revenir a été, non pas posée, mais on en a parlé. C'est vrai que la CEDEAO vient de créer cette fameuse force autonome contre le terrorisme et les coups d'État. Donc peut-être le général Béhanzin pourra nous en parler rapidement, ou en tout cas de façon plus substantielle, mais de façon plus générale au niveau de l'Afrique. Cette fameuse force en attente qui existe depuis si longtemps, et qui normalement devrait être une force, j'allais dire, significative pour non pas connaître les causes des conflits, et c'est bien effectivement la priorité, mais quand il y a un problème, pouvoir participer et coordonner peut-être, qu'est devenu ou quel est ce projet de force en attente, où c'est que ça en est. Merci. Merci Mohamed. Merci. Je voudrais tout d'abord préciser qu'effectivement, ancien ministre, mais pas des affaires étrangères. Ceci étant, je remercie... Je t'ai donné une promotion. Oui, voilà. Voilà. Ceci étant, je voudrais remercier d'abord d'excellentes interventions, mais surtout des espaces pareils que Thierry promeut depuis de façon inlassable. Il a cette conviction que, pour ma part, j'estime et je respecte. Alors, j'ai la particularité d'avoir été le médiateur de l'Azawad, et donc dans le conflit du nord du Niger et du nord du Mali. Pas uniquement d'avoir été le médiateur, mais j'ai été co-rédacteur des deux accords quadripartites et de l'accord de Tamanrasset. Rasset. Bien. Je voudrais d'abord remercier l'intervention du général, et effectivement rappeler l'itinéraire du terrorisme. L'Algérie en sait quelque chose, elle les a hérités de l'Afghanistan, une autre partie de la Libye. Et ce qui me fait dire finalement, dans un de mes ouvrages, je mets en évidence ce que j'appelle moi l'effet ciseau pour des pays comme les nôtres d'une manière globale. C'est-à-dire le premier coup de lame, c'est les dysfonctionnements internes, la marginalisation des populations qui donne une fragilité de la gouvernance, je ne rentre pas dans le détail. Et le deuxième coup de lame, donc le deuxième ciseau, c'est les interférences et donc les convoitises des grandes puissances. Pourquoi je dis cela? Parce que quand j'étais le médiateur, vous le connaissez, vous l'avez évoqué, je vous en remercie, l'Azawad, les contestations sociales, les grands problèmes classiques entre les zones nord, etc., étaient d'une dimension quasiment interne. Puis il y a eu un virage majeur, avec donc des acteurs, là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le monde le devine, mais c'est peut-être la seule zone où l'on peut observer les rivalités, l'évolution, les compétitions et faire des thèses sur la présence des grands acteurs, l'Inde, la Chine, la Russie, les grandes puissances occidentales, etc. Et donc la question que je voudrais poser, c'est selon vous,
quel est l'impact des compétitions géopolitiques des grands acteurs dans la zone. En rappelant que la zone, comme l'a fait mon prédécesseur, certes, pas trop peuplée, mais avec un très fort taux de natalité, une projection en 2050 pour 1 milliard 200 000 personnes, quand l'Europe aura 400 et quelques millions, 1 milliard 200 000 personnes, Nigeria à lui seul 400 millions. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a une présence du capital dans ces zones-là. Très souvent, le capital étranger, certains attirés, mais d'autres décriés. Et j'aimerais savoir quelle est la relation de la gouvernance, sa capacité d'autonomie et du capital. Comment vous arrivez à trouver ? Est-ce que ce capital a une réaction moderne et il a laissé des impacts sur les économies du Sahel ? Ou est-ce que le capital lui-même doit être interrogé sur ce qu'il a fait dans cette zone ? Je parle du capital étranger, international, et je vous remercie. Bon, merci Mohamed. Alors, moi, je me trouve devant une situation impossible, qui est que cette session a trop de succès. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais passer la parole à Estella, qui est là-bas, parce que sinon, on va me reprocher de ne pas suffisamment bien traiter les femmes. Je ne veux pas être accusé de ce péché-là. Et ensuite, je vais demander à chacun de vous de dire en une minute le point le plus important, même si c'est frustrant, hein, un point important que vous retirez des questions qui vous ont posées. Juste comme ça, un peu boulette là-dessus. Et de reporter toute la suite de cette discussion à l'atelier sur l'Afrique, puisque effectivement, il va être, je crois, très animé. Hein. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut qu'on développe, en effet, la partie africaine, et c'est ce qu'on fera dans les sessions suivantes, dans les prochaines éditions. Alors, Estella, à vous, et ensuite, on fait comme j'ai dit. Merci, monsieur de Montbrial. Estelle Youssoufa, je suis députée de Mayotte, qui est à un territoire français, à 500 km de Cabo Delgado, dans le canal du Mozambique. Je tiens à remercier le ministre Manassé et surtout saluer l'action du Rwanda. L'année dernière, vous aviez invité le président Kagame qui nous avait parlé de l'opération rwandaise au canal du Mozambique. Effectivement, la situation est stabilisée. Nous qui vivons à 500 km de ce foyer de Daesh, nous vous en remercions. Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous avez parlé des causes profondes de la déstabilisation au Mozambique. Quel est votre diagnostic là-dessus ? Et est-ce que cette stabilisation actuelle, vous la voyez moyen et long terme durable ? Pour nous, c'est une préoccupation importante, ça l'est aussi pour Total. J'ai défendu à l'Assemblée, dans la Commission des Affaires étrangères, l'investissement de Total dans le canal du Mozambique. La prospérité économique est indispensable, il me semble, pour lutter contre une des causes du terrorisme, c'est-à-dire la pauvreté. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que ce que j'ai proposé. On va prendre les réponses dans l'ordre inverse. Donc, je vais commencer par Monsieur le ministre Manassé. Thank you very much, Adrien, and thank you much for your compliment. I think, as I said shortly, we don't define these problems from a military point of view, taking guns and address the problem. We need to address the root cause of the problem. The root cause of the problem. And as I mentioned shortly, some of the root causes are about development of the area, which, as I said, these studies sometimes take advantage to give alternative to what the government should be done. But having said that, the issue of the government is very important. To provide the services I mentioned to the people. And in the case of Mozambique, these studies who roam the whole region, I think it took them by surprise. Let me use that word. Because when we asked to come in 2021, we first of all looked at what's happening in Mozambique, as I mentioned shortly. We had to do our homework back home. We actually found out that there was an axis of terrorists right from up our continent, Somalia, down, then up to Mozambique. So there was a huge axis, and the financing was not even from Africa.
when you go there, when we talk about the computers, literature and stuff, we found out that there was more, it was more complicated than we thought before. Financing was not African, it was being financed by external parties, of course, through the institutions in Africa. And so it was more complicated than we thought. But of course, we have learned our lessons as a country. Indeed, we are doing this together with the SADC, indeed, who have put in forces with us and the Mozambican forces to try to sort out the problem. But let me put this way. As we address the problem in security, we need to address the problem with the economy, socio-economic development. And if we can address that, then, of course, we can hope that that problem would be away. But it can only be away if sustainable, the intervention is sustainable to make sure that people go back home now. They are going back home. But home for what? Home for what? And this is what the international community must come in and say, look here, this country, part of the country has been devastated. No schools, no hospitals, no roads, nothing. So we need to address that problem also as we address the security problem. And I think it's beyond Rwanda and Mozambique and others to try to address the problem. I think that's my intervention. Thank you. Thank you very much. Et maintenant, Général Béanza. Merci, Monsieur le Président. C'est frustrant parce que vous avez une minute. Vous m'en donnez deux quand même, parce que c'est important, puisque vous dites que le panel est très intéressant pour tout le monde. Une et demie. Merci beaucoup. Je pense que le monde, ce matin, ça a été dit, devient de plus en plus effrayant. Parce que l'audace du terrorisme n'a pas de limite. L'audace du terroriste n'a pas de limite. Je voudrais emprunter une phrase d'Albert Einstein qui dit « Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. » Faire une petite digression sur l'Ukraine dont nous avons parlé ce matin. Après la fin de la guerre de l'Ukraine, le terrorisme va envahir l'Europe tout entière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui sont convoyées vers l'Ukraine et l'intelligence au service du mal évolue autant que nous-mêmes, les hommes honnêtes, nous le faisons. J'ai parlé d'appui aérien. J'ai parlé du Conseil de sécurité des Nations. C'est la question de la gouvernance mondiale qui se pose en matière de sécurité et de paix dans le monde. Les États-Unis, à eux seuls, réunissent 54% des puissances aériennes militaires. Si nous avons l'appui aérien qu'il faut, le renseignement qui en découle qu'il faut, les forces africaines militaires sont capables d'arrêter le terrorisme. Vous avez dit qu'il faut commencer par l'Afrique. L'Égypte fait partie des puissances militaires aériennes. Je voudrais dire que le monde doit choisir entre solidarité franche et réaliste, vous l'avez dit ce matin, à court terme, pour endiguer le terrorisme ou laisser l'hydre terroriste continuer à menacer la paix et la sécurité mondiale en exploitant la précarité et l'extrême pauvreté des pays du Sahel. Nous en avons besoin. Le plan d'action de lutte que la CEDEAO a mis en place pour lutter contre le terrorisme est très holistique. C'est ma modeste personne qui a réuni, si vous voulez, tous les chefs d'état-major des 15 États membres de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie et du Tchad, tous les responsables des agences nationales de renseignement, les directeurs généraux de police, la société civile, les femmes, les chefs religieux pour élaborer ce plan d'action de lutte pour un budget estimé à 2,3 milliards de francs de dollars US. Imaginez-vous qu'avec la guerre de l'Ukraine, nous sommes à plus de 40 milliards déversés vers l'Ukraine. Et nous, au niveau de l'Afrique, au niveau de la zone ouest africaine,
nous n'avons pas encore pu réunir les 2,3 milliards de dollars US. Je voudrais plaider pour ce financement. Beaucoup de gens ont parlé du G5 Sahel. C'est la même chose. On ne peut pas lier ou délier le développement et la sécurité. Aujourd'hui, tous les investissements qui sont en train d'être réalisés peuvent être anéantis en moins d'un quart d'heure, parce qu'il suffit d'un demi-litre d'essence que l'on vend au bord de toutes les voies dans les pays africains en question, et une boîte d'allumettes, et c'est cuit. Je voudrais, Monsieur le Président, vous prier de revoir la question du terrorisme et des analyses stratégiques qui nous permettent de l'endiguer. Si nous ne l'endiguons pas, avec une impérieuse nécessité de coordination, je vous ai dit qu'il y a plus d'une vingtaine de stratégies pour le Sahel. Quels sont les agendas qui sont derrière? Personne n'en sait rien du tout. Vous avez parlé d'un sentiment anti-français. Moi, j'ai parcouru toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne pense pas que cela soit un sentiment anti-français, mais c'est de l'exaspération de la population et par rapport à leur élite politique. C'est ça. Et j'enchaîne en disant, les coups d'État qui surviennent par les militaires, c'est les hommes politiques qui les amènent à faire les coups d'État. Au Mali, moi j'étais au Mali avec les acteurs politiques, où nous étions sur le point de trouver la solution idoine qu'il fallait. Mais les politiciens intransigeants nous ont empêchés d'avancer. 48 heures après, les militaires sont rentrés sur la scène politique. Et vous devez vous rappeler que depuis 1990, avec le discours de la Baule, il y a une relative gouvernance démocratique qui se meut au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces deux dernières années, tout a été foutu en l'air à cause de la question du terrorisme qui est née, du fait du déferlement des terroristes de la Libye, peut-être mal pensé, il n'y a pas eu le service après-vente, comme on le dit, et nous voilà là aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, la force en attente de la CEDEAO était sous ma responsabilité. Elle a deux missions importantes. Les opérations de maintien de la paix dans la sous-région, et vous devez nous féliciter, parce que depuis un certain moment, en Afrique de l'Ouest, pour la bonne gouvernance démocratique, c'est les militaires de la force en attente qui vont sur le terrain. Parfois avec les budgets de nos États et l'aide de l'Union européenne, soit dit en passant. Mais la deuxième mission, c'est la lutte contre le crime organisé. Et quand on doit lutter contre le crime organisé, il faut avoir les moyens de le faire. Ce n'est plus une guerre conventionnelle aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là pour ne pas vous effaroucher parce que non. Ça fait déjà plus de 10 minutes. Pour m'effaroucher, c'est plus difficile que ça. Mais je vous remercie parce que ces remarques sont d'une très, très grande importance et je vous en remercie vivement. Il faudra développer tous ces sujets. Hélas, nous aurons à les développer. Alors, Monsieur Chibozo. Oui, ce que je vais retenir en tout cas, c'est qu'il y a une convergence de vues sur la nécessité de mieux se coordonner. Ça, j'ai bien compris. Il faut le souligner, parce que c'est quelque chose qui est important. Et pas seulement sur les pures questions de sécurité, sur les questions de développement aussi. Je le souligne parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des fois une sorte de concurrence entre la Banque mondiale, les banques de développement, les DFIs, etc., etc. Et la vérité, c'est que s'il y avait une coordination et si on coordonnait mieux les moyens de tout le monde, je crois que la capacité d'action pour apporter des remèdes, apporter des solutions aux problèmes de développement, et notamment dans le Sahel, serait décuplée. Et je crois que c'est une des pistes de réflexion majeures, une meilleure coordination de toutes ces ressources, parce que des ressources, il y en a. Merci, merci infiniment. Et last but not least, Monsieur le ministre d'État Wanandi. Merci beaucoup. Non, mais j'aurais tellement voulu répondre à plusieurs des points qui ont été soulevés. Notamment, vous avez posé une question fondamentale sur le foncier. Et je voudrais tout à l'heure vous en parler parce que vous avez touché du doigt quelque chose de très important. Dans le Sahel, une bonne partie des populations font du pastoralisme. Ils bougent avec le bête, ils font de l'élevage, ils bougent d'un pays à un autre, etc.
C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une des causes importantes, le foncier et les difficultés qu'il y a sur ces questions-là. Mais de façon globale, moi, je pense que le débat, c'était sur le Sahel. Je voudrais qu'on ait conscience que les questions de sécurité, de développement au niveau du Sahel sont des questions dont les conséquences, si on ne les adresse pas, vont nous concerner tous, quel que soit là où on se trouve au niveau mondial. C'est-à-dire que si jamais les terroristes attaquent, ils atteignent la côte chez nous, ben ils iront en Amérique, ils iront en Europe facilement. Plus la situation sécuritaire s'aggrave et la situation de sous-développement s'aggrave, mais plus on aura l'immigration. Donc, il faut à un moment donné qu'on se dise, c'est pas parce que ça semble être loin de nous, mais c'est un problème qui va venir tout de suite devant nous si, au niveau global, au niveau de la gouvernance mondiale, on ne prend pas ce problème à bras le corps qu'on le règle. Moi, je suis ministre des Finances, je peux vous dire, ça fait 7 mois que j'essaie d'acheter un vecteur aérien, donc juste un appareil pour mon armée, pour pouvoir anticiper. Je n'y arrive pas, je ne demande pas qu'on m'aide, je ne demande pas qu'on me donne, je veux le payer. Mais parce qu'il y a la guerre en Ukraine, impossible d'acheter un vecteur aérien. Et on a des nations qui en ont des milliers. Or, avec ça, avec un vecteur, je peux juste couvrir la zone. Nous avons une bande de 25 km où ils opèrent. Sans vecteur aérien, c'est quand ils arrivent, ils attaquent qu'on réagit. Nous avons les moyens de payer, mais on ne peut pas nous les vendre. On dit non, tout est concentré sur l'Ukraine. Mais il a dit tout à l'heure, à la fin de l'Ukraine, il y aura d'autres sujets. Et ceux qui sont en train de se renforcer aujourd'hui dans le Sahel, si on ne les stoppe pas, ils viendront. Donc moi, mon takeaway, c'est de dire que les questions de sous-développement et de sécurité, un, sont liées, deux, c'est des problèmes de nous tous. Et donc, il faut que, quelque part, quand on a pris le changement climatique, on fait les COP avec plus ou moins de succès, mais on peut prendre cette question-là et la traiter si on décide de le faire de façon ferme. On a les capacités de le faire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais vous voyez, je me bats tous les jours pour avoir de l'équipement. Donc même, comme il a dit tout à l'heure, quand on a la volonté, on a les moyens, malheureusement, nous ne savons pas fabriquer les équipements. On ne veut pas les donner. Même pas des drones. On n'en a pas. On a les moyens. Merci. Merci infiniment. On a pris un peu de retard, mais il y avait déjà du retard d'ailleurs. Mais je crois que cette session était très importante. C'est la première fois qu'on traite de ces sujets d'une manière effectivement réaliste au sein de la World Policy Conference. Nous accorderons encore plus d'importance à ces sujets dans nos prochaines éditions. Et en faisant aussi davantage le lien entre ces problèmes de l'Afrique et des problématiques plus mondiales, comme vous l'avez dit, les questions de type ukrainienne peuvent se retrouver aussi en Afrique et avec des portées mondiales aussi d'importance comparable si on va au fondement des choses. Donc merci infiniment, c'était extrêmement stimulant, un peu frustrant pour les orateurs qui n'ont pas parlé autant qu'ils auraient voulu. Pour ceux qui voulaient poser des questions et qui n'ont pas pu le faire, et pour moi qui, par définition, accumule les frustrations au cours d'une conférence de ce genre. Donc le frustré en chef vous remercie tous. Merci. On va faire la photo traditionnelle.